sur l'écran d'ordinateur le montage vidéo de la soirée d'ouverture du festival. Par exemple, les 10 films de la compétition seront présentés comme ça. Donc, voilà, la compétition. C'est tout ce qui sera en fond de scène. Marie-France Brière et son collaborateur Damien sont en plein préparatif de cette soirée qui présente films en compétition, avant-première, jury et pays invités. C'est mélangé, hein. Je ne peux pas me départir de mon passé télévisuel et audiovisuel. C'est plus fort que moi. Donc on fait vraiment des conducteurs un peu comme on faisait à la télévision. Côté logistique, un accès sous condition de passe sanitaire comme partout, avec obligation de porter un masque à l'intérieur des salles obscures. Malgré ces restrictions d'accès, les réservations se portent plutôt bien. On a atteint le nombre de ventes de passes de l'année dernière en début de semaine. Donc là, on est à plus de 1300 passes vendues. On était à 1200 l'année dernière, donc on est plutôt très content. Et avec notre système de réservation, en fait, on a fait 27 000 personnes l'année dernière. On a déjà plus de 23 000 réservations au jour d'aujourd'hui. Donc on est plutôt très satisfait. Plus de 40 personnes travaillent à la préparation de cet événement. Mais ça dépend si vous voulez l'interviewer d'un point de vue en tant que présidente du jury ou en tant que réalisatrice du film, en fait. Grâce aux personnalités invitées, le festival attire de nombreux médias dont il faut aussi s'occuper. On a environ 150 journalistes et photographes qui viennent sur le festival. Donc ça représente une vingtaine de photographes d'agences qui viennent et plus de 130 journalistes qui viennent couvrir le festival. Donc l'idée du service presse, en fait, nous, notre travail, c'est déjà de les faire venir et après, une fois sur place, de s'occuper d'eux. 10 films seront en compétition, mais le public pourra profiter également d'une vingtaine d'avant-premières exclusives à ce festival.